Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du potager en 6 mètres carrés. Alors aujourd'hui, nous allons parler du charbon de bois, mais du charbon de bois en poudre. Voilà, on va le mettre en poudre. Donc, c'est ça, hein, les morceaux de charbon de bois. Alors, il n'y a pas de vidéo là-dessus, hein, j'en ai pas vu, donc je vais en faire une. Voilà. En fait, c'est une petite technique, donc apparemment pas très connue, je sais que je la connais. D'un livre, hein. Et donc le charbon de bois, on va le mettre sur les semis, sur les petits pots de semis comme ça. Et je voulais vous dire que ces petits pots là en vert, c'est pas superbe s'il n'y a pas de trou au fond, hein. Parce qu'en fait il peut avoir du pourrissement avec de l'eau, donc on m'a conseillé de ne pas prendre des pots comme ça, mais plutôt des pots comme ceci, voilà, avec des trous en dessous. Voilà. On revient sur notre sujet, donc le charbon de bois. Donc, il va nous servir contre la fonte des semis. La fonte des semis, c'est quand, par exemple, là, c'est un cas. Voilà, que celle-là. Fantule. Vous voyez, là, de l'eau et tout. En fait, voilà, là, c'est une fonte de semis. Elle vient de lever et bim, elle s'est couchée direct. Elle va s'assécher. Et en fait, ça va faire ça. Donc, ça va s'assécher. Et en fait, vos semis, dès qu'ils lèveront, bah, en fait, ils vont être morts. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, oui. On appelle ça la fonte des semis. Et donc, pour remédier à la fonte des semis, on va mettre charbon de bois. Donc pour le charbon de bois, pour ma part j'ai pris un marteau, mais on va le casser, hein, en petits morceaux. Voilà, on va le casser. Je vais enlever ça pour que ça soit plus pratique. Et voilà, on va le casser en petits morceaux de façon à ce que ça fasse de la poudre. Voilà. Bon, je vais pas le casser là, c'est pas très solide. Mais voilà, on se retrouve après que j'ai mis tout ça en poudre. Voilà, donc après cela, donc je viens d'aller casser le charbon. Donc maintenant, après l'avoir cassé et après l'avoir mis en poudre. Alors ouais, en fait ça fait la fumée, voilà, je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis dans un bocal. Parce que j'ai pas le couvercle, c'est embêtant. Donc si vous avez le couvercle, non, c'est un peu beaucoup mieux. Mais voilà le résultat. Voilà ce que ça donne. Bon, là j'en ai fait un pour toute la saison, ça c'est sûr. Et maintenant, donc ceci, on va en mettre sur la surface du pot, comme ceci. Une petite pincée. Pour l'autre. On va mettre un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc faut pas non plus en mettre trop, hein. Juste une fine couche suffit largement. En tout cas, pour ma part, ça a toujours suffi. Ah ouais, on voit pas très bien, mais bon, la petite différence là entre le... Ouais, le marron et le noir, c'est la terre. On voit pas très bien, peut-être que là on va mieux voir. Non, on va pas mieux voir, mais bon, voilà, ça se confond très bien avec la terre, vous voyez. Donc voilà, c'est une petite méthode là, comme ça. Voilà, la poudre de charbon. Donc après, attention à bien fermer, hein, parce que ça c'est ultra léger et ça vole partout. Alors partout, donc bien. Franchement, et où mon élastique est là.
Franchement, faites-le dehors, hein, parce que dedans vous allez en mettre partout. Moi, je l'ai fait dehors. Voilà. Et surtout, 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 recouvrez bien avec. Voilà, moi j'ai mis un petit chiffon. Donc voilà pour cette méthode. Allez, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. Bon jardinage à tous, mais avant, j'oubliais de vous dire de ne pas vous de comment je vais formuler ça, de pas que vous oubliez de vous abonner. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir, et même voilà, ça m'encourage et tout. Pareil, hein, de liker et de commenter les vidéos si vous avez une petite remarque à faire sur la vidéo. Voilà, si vous avez un petit conseil aussi à me donner, parce que voilà, le but c'est faire un échange dans les deux sens, hein. Et donc voilà, de partager la vidéo, tout ça, et la chaîne. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je vous dis au revoir et bon jardinage à tous. Salut !